Moi, moi, les babes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque au rangement de mes bibliothèques. C'est-à-dire que, je sais pas si vous voyez, mais moi, je la trouve laide. C'est-à-dire que vraiment, il y a rien qui va dans cette bibliothèque. Bon, là, il y a des trous parce que j'ai fait des tri et tout. Mais du coup, j'ai envie de faire par taille. Parce que vraiment, déjà, est-ce qu'on pourrait avoir des livres qui ont la même taille, parce qu'il y a des tailles différentes en grand format, il y a des tailles différentes en poche, il y a des tailles différentes entre les langues, juste ça fatigue en fait. Vous voyez ici, genre ce livre là, It Starts With Us, il est immense, donc il va aller tout devant. D'habitude je fais par genre, mais là j'ai envie de faire par taille parce que vraiment ça m'énerve. Ensuite je crois que celui-là est très grand, puis celui-là. Celui-là. Alors, dans les hardbacks, j'ai des hardbacks ici. La vie invisible d'Adi Larue, il est grand aussi en fait. Ah putain, ouais. Là, il est grand, je m'en rendais pas compte. Sally Rooney, il est purée grand aussi. Hein. Le livre de la. Ah ouais. Ah, celui-là, il est. Ah ouais, moi je vais même le mettre en premier. Voilà. Je sais pas, ça va prendre du temps, je crois, à faire. Mais prenons les livres qui ont l'air plus grands que les autres, tout simplement. Genre celui-là. Ouais, mais allez, ils sont plus grands que les... Et je pense que je vais juste mettre les hardbacks en premier. Et maintenant, je vais passer aux normaux, donc aux paperbacks. Ah, mais attendez, il me reste un hardback. Je l'avais oublié, The Inheritance Game. Celui-là, il peut aller là. C'est la même taille. Donc, parfait. Ok, celui-là, c'est grand. Je pense qu'il pourrait être en premier. De toute façon, les poches, vous n'allez pas rester là. Donc. Ensuite, je suis déjà essoufflée. Ashes Falling for the Sky. Il est plus grand encore. L'affaire Alaska Sanders. Plus grand. Ensuite. Ah, mais pas encore un hardback. J'avais oublié celui-là, Éclat dormant. Ah, il est. Ah, mais il est grand. On ne dirait pas comme ça, mais il est grand. Voilà. Ah ouais, celui-là, il est un peu plus grand que... Ah, purée. Et celui-là, il peut aller là, par contre. Ah ouais, par contre. Ah ouais. Enfin, mais même en largeur, vous voyez, c'est pas possible, quoi. Je regarde s'il n'y a pas de plus grand que d'autres, genre vraiment. Mais j'ai pas l'impression. Peut-être celui-là. Moi, non. Pas du tout. Bon, ben, on peut passer au grand format, du coup. Au grand format de normaux, genre. Alors. Je vais juste enlever ça. Je vais peut-être mettre les Twilight tout en haut. Mais ils n'ont pas l'air très grands, mais on verra. Ça risque de changer à tout moment, de toute façon. Hein. Je vais rester dans la même gamme Witch and Wolf. Vanja et le loup. Ah, il est plus grand. Ah! Celui-là est plus grand que les Twilight. Donc, ah ouais. Dans la même veine. Ah ouais. On a le prince cruel, mais je sais pas. C'est trop... Ça va pas. En mode Grace and Fury. Non, c'est trop grand. Ah ouais. Bon, bah... L'Empire des Femmes, peut-être. Il rentre. Voilà. C'est déjà mieux, purée, je vois la différence de fou, quoi. Commençons ici, donc avec des grands formats au hasard. Le prince cruel, il est un petit peu plus petit, le prince cruel. Fall Dead Queens, ah, le plus grand. L'enfant pan. En vrai, le prince cruel, il est plus petit que les autres. L'enfant pan, il est un petit peu plus grand. Au niveau des couleurs, ça va bien en plus.
Félicrassi, il est grand aussi, mais pas beaucoup plus grand que le prince cruel, donc je vais pouvoir le mettre. Quand même, en vrai. Voilà. Je regarde s'il n'y a plus rien en style un peu imaginaire. Bah non, j'ai plus rien en grand format imaginaire. Enfin si, en fait, je mens totalement. J'ai ça. J'ai les auto-édités qui étaient en haut. C'est du poche, hein, donc on le sait. On va les redescendre. Voilà, parfait. Ah, Sarah Jima, bon là c'est l'anglais, donc pareil, l'anglais ça va aller après. Que l'anglais c'est... Bah, c'est plus petit quoi. Donc... pouvoir prendre la sélection. Ah, ils sont plus grands. Comme ça. Ça c'est du grand format, mais je vais encore attendre. Ça c'est du poche. Là on est sur du poche, là aussi. Là on est sur du grand format. Hein. Ah ouais, ça va. C'est plus grand ça. Mettre les refuges plus grands. Ça, c'est du coloré. Ça, c'est du français. C'est du français. Parfait. Alors là, il y a du français, mais là, c'est du coloré. Là. On est tout sur de l'anglais. Ok. Alors. Là, on est sur du français plus grand. Va recommencer par le grand format du coup au français. Ah, ils sont grands en fait ceux-là. D'accord, en fait, c'est ici. Ah ben non, c'est même plus grand là. Cubi. Je vais mettre les Hugo Roman ensemble. Ça donne mieux quand même. Hein. Ah, j'ai d'autres Hugo Roman. Ça, c'est de l'anglais. Ça, c'est du poche. Ça, c'est du Hugo Roman. Ça peut rester comme ça. Ça, c'est plus grand. Soit, on s'en fout dans la bibliothèque tant que c'est bien dans les étagères. Bon, les grands formats, donc il n'y a plus ça. Hein. Voilà, parfait. On va passer au grand format anglais. Ouais, on va pouvoir. Donc, attendez, je vais juste. Par contre, les anglais, c'est beaucoup mieux. Ils ont tous la même taille. Il fallait le faire avant. Pourquoi en France ils le font pas quoi? Mais quel bonheur! Oh là là, si j'avais une bibliothèque entièrement de livres anglais, ce serait incroyable. Non mais regardez. Génial. Alors là, est-ce qu'il y en a d'autres? Non, là c'est des poches. Là j'en ai. Il m'en reste deux. Ah, c'est parfait. Par contre, je vais peut-être les mettre ensemble. C'est un tome 1, un tome 2. Ok. Alors, attendez, j'ai ça aussi, mais... Je vais mettre dans mon autre bibliothèque. Donc là, je fais que ma bibliothèque, puis la lire. Enfin, je vous avoue que j'ai vraiment beaucoup la flemme de faire l'autre lu. Donc, on va surtout se limiter à celle-là. De toute façon, c'est celle-là que je vois tout le temps en vidéo. Je crois que je vais mettre la trilogie
de À tous les garçons que j'ai aimé. Ça rend parfaitement, mais. Mais quel beau. Mais imaginez! Oh, quelle chance, quoi. En plus, tu peux abaisser tes étagères, c'est-à-dire que tu gagnes une étagère. Bon, maintenant, passons aux poches. Je vais mettre tous les gaunes. Mais attendez, parce que là, vous ne voyez plus rien. Donc là, je vais mettre tous les gaunes. Hop, on va switch comme ça. Parfait. Je mettrai les gants après. Ça, ça va avec Virgin River. Oula. Voilà, ils ont la même taille, ça va. La faucheuse, voilà, tu vois. Ils ont même pas. Celui-là, il est beaucoup plus large. Les élus de Véronica Roth. Rosette et la guerre des clans. Où est mon cœur? Ah, attendez. J'avais oublié, mais j'ai encore ces grands formats là en anglais en fait. Ah. Donc. Bah, par contre, je ne saurais pas mettre un. Ah, si, si, si. Si. Je vais juste commencer les poches avec un à cotard 2. Mais c'est pas grave. Hop. Ah, celui-là est plus grand par contre. On va faire un intermédiaire, c'est pas plus mal. Alors celui-là, je sais pas parce que c'est un. Ouais, ça semblait bien. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est un hardback, mais c'est un petit hardback. Alors là, il y a des différences de taille par contre. Voilà. Ensuite, là, il y a d'autres poches. On va pouvoir. Ça sera prêt. Ok. J'ai les Virgin River poches. Qui sont un peu plus grands, hein, en fait. Donc, en fait, je vais commencer ma. Hop là. Sauf que j'ai celui-là qui va avec. Malheureusement, ça. Ah mais non, ça va. Et il me reste ce que j'avais mis là sur le côté. Oh, purée. En fait, celui-là, il a un format très bizarre. Les Hugo, je vais les mettre ensemble. Voilà, et celui-là est plus petit que les autres. Écoutez, voilà. Ça m'a pris 20 minutes d'en faire une. Oh non, mais je ferai pas la deuxième. J'hésitais, mais. Mais par contre, ça donne méga mieux. Ça donne méga mieux. Attendez, vous êtes tout de travers. Ah ouais, ça donne bien. Mais si tous les formats en France étaient comme les Anglais, faire tout pareil. Parce que c'est toutes des maisons d'édition différentes. Hein. Ah, ça fait plaisir. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous aimez le avant-après quand même. C'est bien rangé là. Hein. Et puis, si vous avez. Je suis épuisée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner. En attendant, je vous dis à la prochaine.